Oui, donc Emeralda était restée à Absalom pour faire des recherches pendant que Aurel travaillait à médecine. Échoué à médecine, hein. Seul. Lamentablement! Non, pas lamentable. Non, Bon, bref. c'était loin d'être lamentable, c'est très honorable, mais Mais ça malheureusement, n'a pas voilà. marché. Plus c'était français. Donc Emeralda reste sur place et le groupe de bras cassés dira attends. Privé de tout sens moral, puisque The Oui, Glock a parce que dit. The Glock. Non, Non, The The Glock Glock était là, était là, mais c'est sa pas. dernière session. Ouais, mais c'était pas tellement du sens moral. Non, son avant-dernière session. On a encore celle où on a fait le siège. Effectivement. Donc son On a fait avant-dernière le session de siège. jeu. Ils abordent une île sur laquelle ils pensent une des locations possibles du temple de Zone Colonne. C'est ça, le nouveau temple s'appelle Zone Colonne. Après celui avec les chaînes où se plaît Donc des le chaînes, prêtre. apparemment il y a des sacrifices avec du sang, Voilà. et le temple s'appelle Zone Colonne. C'est ça. Et il me semble que Fanaki vous avait également communiqué cette information. S'il ne l'a pas fait, c'est son erreur. Comme quoi, le rituel décrit dans le gros bouquin impliquait une quantité de sang non nulle. Ça me dit rien. Non. Ça me dit rien. Faudrait que je réécoute. Je les ai écoutés que 12 ou 15 C'est fois. possible que l'information arrive après parce que j'y pense après ou je sais pas, mais. C'est pas grave. Au final, ils l'ont découvert d'une certaine manière. Dans tous les cas, vous le savez. Sur cette île, on trouve une grande quantité d'orques rouges. Alors, les orques rouges n'ont rien de différent des orques, hein, ce sont des orques, C'est vrai mais ils qu'on sont a, on n'a rouges. même pas enquêté là-dessus. Non, mais vous enquêtez sur rien, de toute C'est façon. ça. Et Nous, des orques rouges. 30 à 40, 50% de ce que j'avais écrit jusqu'à présent Ne servait à n'a rien. servi à que Je suis dalle. Vous désolé. êtes passé au-dessus de l'information, à côté de l'information, parfois dessus, mais j'ai commencé à me dire que c'était un coup de chance. Et Je sais bon. que quand je vous fais jouer la couronne putréfiée, des Non, mais fois vous bon. en avez rien à foutre de ce que je vous raconte, et pourtant vous les avez C'est. les infos. Oui. Mais c'est bien au final que vous passiez à côté de l'info, parce que comme ça, Ça laisse j'en une. écris plein. Ouais. Et moi-même, je suis surpris par le court que prend l'événement, ce qui fait que je m'amuse plus. Ouais. Dans le fond. Même si parfois il y a besoin du Deus ex machina, genre si jamais je prévois pas un plan de secours, bah. Il y a vraiment tant besoin de ça, de plan de secours. On est à 50%. Oh merde! On est à 50% facile. On est nul, on est nul. Non, parce que c'est loin d'être évident. Et c'est assez atypique. Enfin, je vais en dire trop si je suis. Bon, Je le nous. vois là, qui me regarde en mode Sneaky, sneaky. sneaky, sneaky. Donc, à l'accostage de cette île, globalement, ils sont réceptionnés à l'orque rouge kidnappo-pirateur, ou plutôt pirate-kidnappeur. J'ai dit quoi? Peu importe. En gros, c'est eux qui font les enlèvements, quoi. Ouais, très vraisemblablement. Du coup, ils disent, bah tiens, des mecs, on va les enlever. Du coup, les PJ les enlèvent eux. En fait, ils les défoncent à part un. Là, ils Culotte. arrivent toujours à le dernier qui tombe. Il en sait beaucoup en général. Puis Il a intérêt, en tout cas, il a intérêt à en savoir beaucoup. il en sait, mais il reste en vie, ça c'est sûr. Non, mais il reste jamais en Mais vie, j'ai faire un réussi orque. à les faire aimer un orque, donc ouais, mais ils l'ont pas buté, hein. Sérieux? Ils l'ont pas buté parce que bah Parce c'est. que c'est étonnant, venant de Frolix. C'est Glock. Prolix. Prolix. Prolix, il veut faire des sacrifices. Ouais, Prolix c'était un peu ouf malade. c'est pas plus mal qu'il soit plus là. Mais. Enfin, c'est pas plus mal qu'il soit plus là. Le personnage, hein, Il malheureusement, le était. joueur un peu plus. Mais Le joueur le reviendra peut-être, mais le personnage, il est glauque. personnage est bizarre, de toute façon. Franchement En fait, bizarre. on a pas raconté là quand on a voulu vendre l'épée maudite. Oui, c'était Absalom. Non. Ouais. Si, Si. alors, Ah, on a essayé. non, c'était Amérable. Amérable, ouais. C'était Amérable parce qu'Absalom, ça serait moins bien passé, je pense. Bah, Sam, ça s'est très bien passé. Oui, parce que justement, ce coup-ci, vous êtes adressé aux bonnes personnes. En gros, en parenthèse, Flashback. on a voulu vendre une épée, l'épée maudite qu'on avait récupérée, qu'on n'aurait jamais dû récupérer. Voilà. Et en fait, on a voulu la vendre à un forgeron, tout ce qui est le plus classique. Tout ça, c'est un vendeur d'armes plus ou moins magiques, Au milieu d'un voilà. marché, voilà, et il prend Et prend l'arme, l'arme hein, pour bien évidemment, et là, l'estimer, donc il commence à essayer de trucider un peu tout ce qui lui passe sous la main. Hein. J'ai adoré le bobo où genre vous posez devant là, hop, vous ouvrez le petit paquet, et puis
T'as Sammy, genre, c'est lui qui a entendu quand il a, qui a entendu des voix Diabolus, Diabolicus, quand il a essayé de choper l'épée l'autre coup. En plus, le pire, c'est que c'est moi qui ai voulu lui vendre l'épée. C'est moi qui lui ai présenté. C'est Bah ça qui est non, horrible. bah elle sort de ton sac, hein, je te rappelle. Donc, on lui présente l'épée en lui disant oh, Et vous avez monsieur, vous une nous petite donnez un prix. fortune. Et le gars, bah, évidemment, il a besoin de la toucher pour l'estimer. Hein, donc, Il part sur un rampage. Vous arrivez à pas le tuer, on arrive à pas le tuer, on ce qui est arrive à le mieux pour désarmer. le. C'est ça. Vous vous tapez une amende pour trouble à l'ordre Ça, public, heureusement, très conséquente compte tenu de l'ampleur du trouble avec des c'est gens ça. blessés, un commerçant plus ou moins attaqué dans sa boutique. D'ailleurs, j'ai remboursé une partie du groupe parce que je me suis senti vachement responsable. J'ai remboursé 50% de dépenses, donc ça m'a coûté pas mal de thunes cette La merde. conscience morale. Chaotique bon, mec. Chaotique bon. Bon, bref, c'était la parenthèse, et donc on a toujours cette putain d'épée. Non, ah oui, Bah après vous oui, l'avez enterré. on l'a récupéré, on a toujours cette putain d'épée. Ne demandez jamais une épée maudite sur un marché, quoi. On a Par gagné contre, beaucoup de temps sur cette merde. oui. Par contre, ensuite, en arrivant à Bialom, l'espèce de temple de Mérab, pas de Mérab, d'Abadar ambulant, où on peut tout vendre à tout le monde, il n'y a pas de problème, plus ou moins, ils ont été. Ah non, ça C'est c'était après, après. hein. C'est bien C'est après. encore Parce que après. Simon était là à ce moment-là. Simon était là, je me souviens. Enfin, je me souviens, maintenant que je le dis, quoi. Donc, ils vont où? À Zone Zone Colonne. Colonne, taper de l'orque rouge, voilà. Orque rouge capturé sur la plage, qui les indique, qui les guide plus ou moins vers son camp des orques rouges, tu vois. Histoire de dire, on va faire une petite embuscade, quelque chose comme ça, non? C'est ça, en fait, non. Leur plan, c'est, si je me souviens bien, Non, mais le plan de l'orque, c'est pas de les attirer dans un piège? bah, le plan de l'orque, il est un peu con pour faire des plans. Ah. Par contre, ce qu'il comprend vachement bien, c'est que si tout le groupe se rend et qu'il les ramène tous au village, lui tout seul, alors que tout son chef s'est fait buter, etc., il aura les femmes et la gloire pour lui, quoi. Globalement. La vache, il n'y avait plus un seul orque masculin en fait. Si, mais il aura quand même la gloire et donc les femmes, si tu préfères. D'accord. Et les Oui, vieillards aussi, voilà. il a les femmes et les vieillards. Non, en fait, il y a d'autres orques rouges, mais ils sont sur la mer à ce moment-là. D'accord. Et dans le temple aussi, simplement, qui les attend. Mais, elle était très bien, cette pyramide. Elle était très bien, je m'en Explique-nous souviens. pourquoi elle était très bien. Elle était très bien parce que deux choses. Dans un premier temps, bah, elle sert à faire des sacrifices humains, et ça c'est quand même vachement. Je plaisante. Elle sert à faire des sacrifices humains, ce qui est bien pour l'intrigue. Et en plus de ça, son circuit de ventilation, d'aération, et domaine d'une des créatures les plus fourbes qui soit, une de mes créatures favorites, qui malheureusement perd très vite en puissance, mais au début c'est. Il faut lui en foutre un avec des niveaux de caps. Ce serait génial. Ce serait tellement bien. L'étrangleur. L'étrangler. L'étrangleur. Imaginez, dans un domaine que la créature connaît parfaitement, vous retrouvez dans une pyramide obscure, qui en plus d'être infestée d'orques rouges, est également le domicile d'un chaman qui a élu une sorte de lien avec Le chaman. Vous n'avez jamais chopé. Non. Vous auriez pu, mais vous l'avez jamais chopé. Bon, on va le recroiser, je suis sûr. Étonnamment, vous n'avez pas voulu vous aventurer dans les galeries, dans les Il. calèches. Je n'étais pas là. Il, oui, tiens. Non, Si, vous, c'est. le Ah, groupe. Inis a voulu le faire à un Oui, au moment. début, tout le temps qu'il ne savait pas qu'il y avait un étrangleur, L'étrangleur. c'était bon. Ça Ça aurait y été est. Oh, magique. des canalisations, c'est génial, j'y vais. Ouais. Voilà. Et en fait, bref, cet étrangleur était de mèche avec un chaman qui l'avait plus ou moins domestiqué, attiré, chamanisé, tout simplement. Sorte de familier. Sorte de familier. Et donc voilà, c'est le terrain de chasse idéal pour une créature de ce type. Des couloirs relativement étroits où on avance à un front un peu partout. Des canalisations ouvertes qui donnent. Des aérations en fait ouvertes qui ont juste la bonne taille pour lui. Qui donnent à plein d'endroits, de plein de couloirs et de plein de salles, tous plus ou moins reliés les uns aux autres. Il peut se balader comme il veut là-dedans, c'est parfait. Et un groupe d'aventuriers qui vient faire la bouffe.
Globalement. Et puis qui est pas très très malin non plus. Oui, c'est sûr, il y a le fait qu'il soit. Bah, tant que tu sais pas que la bête est là, c'est vrai, mais en plus, Ouais, après. mais bon, bon, bref. Peu importe. En plus de ça, il y a, pour le distraire et quand même faire un combat très très correct, Le chaman. le chaman et le chef orc qui se trouvent tous là, en fait. Il la joue pas bien fine, dans le sens où il y a la pyramide. Et à côté, t'as un campement orc. Et leur analyse, au début, je me semble me souvenir d'un truc du style, bah il y a le campement orc, mais il n'y a plus que les femmes et les vieux là-dedans. Les femmes, les enfants, les vieux. Donc, il n'y a plus de guerriers. Sauf que, avec la discrétion légendaire de ce groupe, ça fait des années que les orcs les ont cramés, en fait. Et les combattants se sont retranchés dans la pyramide en laissant les femmes et les vieux dehors. Parce que. Ok, c'est peut-être pas le mode de défense le plus clanique qui soit, Surtout que mais. les orques femmes, elles sont tout aussi redoutables que les hommes. Hein. Mais là, c'est des orques rouges. Ah. Que dalle, voilà. Dans tous les cas, très gros combat dans lequel pas mal de monde manque de crever. Ils sont pas leurs prêtres. C'est pas facile. Et bah Sylvain. Parce qu'en Mais fait, Sylvain si, il nous était a là, abandonné Sylvain. une partie du scénar. En Hein. fait, il a disparu dans la pyramide. Sylvain a disparu dans la pyramide, en fait. Parce que il y a une fin de session dans la pyramide. Il a pas pu la session d'après. Donc voilà. Donc s'ils avaient des soins à ce moment-là, putain, c'est vraiment dur. C'est tellement. Il y a longtemps que. En fait, je me rappelle que en gros, j'avais arrêté un scénario parce que justement Sylvain pouvait pas jouer. Comme il était près de Kaelen, l'excuse c'est je vais à la taverne et puis on l'a jamais revu. Donc Oui. ça tombait bien que j'arrive. Hein. Et Que tu reviennes, et du coup il les a retrouvés à Absalom. Hein. du coup. On sait pas comment. Bah, il était dans le bateau avec eux. Non. Non, non, non. Donc il est allé à Absalom pour X raisons. Sûrement parce que il y a un super temple de Kaelen là-bas. La chope sacrée. Bref, voilà. Et donc ce personnage apparaît et Il y a disparaît un peu du régulièrement. fouillé, ouais, ça clignote. Ça clignote. Bon, en tout cas, ils avaient des soins, mais combat dangereux. Combat très dangereux avec une stratégie De merde. risible. Connaissance groupe de merde. Ce qu'ils ont fait en fait, ces orques, enfin ce qu'a fait le chaman principalement, c'est que avec le pressoir zone coutonique, parce que cette pyramide est en fait un pressoir à gens. Un pressoir. Pas vraiment un pressoir, Un plutôt un broyeur. égouttoir. Non, non. Oh. Un égouttoir à gens. En fait, sur le toit, il y a un trou, tout simplement, qui mène à la salle principale à l'intérieur de la pyramide. Et on suspend des gens par les pieds, coupe-coupe les trucs. Puis le liquide passe par tout un tas de filtres, etc. pour bien le zone coutonné. Moi, je dis ça comme ça m'amuse. Pour arriver dans une grande bassine. J'ai vu ça! Pour arriver dans une grande bassine alchimique, et le chaman en extrait un extrait. Non, je vais m'arrêter là. Non, il en extrait un extrait qui, en fait, permet d'ajouter des dégâts de saignement à toutes les blessures effectuées par des armes enduites par cet extrait. On savait pas ça. Pardon? On savait pas. Bah, vous saviez pas, mais si, vous saignez beaucoup quand vous faisiez. Il. Oui. Eux. Mais là. J'ai jamais eu cette information. Bah, d'un autre côté, tu sais, j'avais pris un javelot et tu l'as jamais enlevé en mode ah, ça pisse le sang! Encore plus que d'habitude. Voilà. Et en gros, la stratégie des orques, c'était de se mettre au bout du couloir avec des mecs qui portent des boucliers devant et des gens qui lancent des javelots enduits de saloperie derrière. Classique! Et qui marche très Très bien pour le coup. classique et ça marche toujours très bien. Dans ces cas-là, il faut avoir un prêtre mauvais et puis. Tu lui envoies en mode je canalise! Et ça tue tout le monde. Ou un mage qui a une boule de feu. Ah, mais à ce niveau-là, on n'a pas de boule de feu. Pourtant, vous étiez niveau 3. Ouais, mais le sort est Je te niveau 3. dis, ils n'étaient pas niveau 3. Hein. Ils étaient niveau Parce que 3, c'est juste que la boule de feu, c'est niveau 5, ils ont tout en oublié. début de session de siège, Ah, le sort niveau 3, ça. il y a Sylvain qui était justement pas du tout niveau 3. Nous, on avait tous préparé niveau 3. Et tu avais dit, préparez-vous à passer niveau 3.
Et justement, et parce qu'il n'avait pas son sort de silence. Et il pensait qu'il l'avait pas parce que. Enfin bon, bref. Moi je suis sûr qu'ils étaient niveau 2. Hein. Putain, c'est hardcore quand même. Ouais. Ah, je suis un bâtard. Mais bon, vous avez survécu, et voilà. J'ai eu un sourcil se lever. Qu'est-ce que c'était que ce sourcil? Ah, Quoi? je même pas Tout le monde a remarqué. survécu, plus ou moins. Oui, ils ont survécu et ils ont pas réussi à capturer le chaman. Hein. Non, pour des raisons que. Ils ont buté l'étranger. Vas-y, Non, dis-moi. non plus. Ça fait beaucoup d'XP et pas mal de richesses en moins. Mais c'est pas grave. Bien. Ils sont tombés sur un trésor à un moment. Oui, trésor. Épique moment. Dommage que j'étais pas là, j'aurais adoré voir ça. Ouais. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi à capturer le chaman. Ah si, quand même. Ah, Mais oui. l'étrangleur là, quand même. Sauf qu'au bout d'un moment, ils se sont barrés et je leur avais fait jouer. Et bon, bah, voilà le dé du chaman. Maintenant, le mec qui le tient à la laisse le bouge en même temps que lui. Et tout simplement, j'ai vu le moment où ils ont passé 2 minutes à regarder au fond d'un trou qui est au bout de la pyramide, avec le dé du chaman à côté d'une canalisation. Son pote l'étrangleur l'a simplement sauvé et emmené dans sa tanière. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, le dé, c'est ce qu'on utilise pour représenter les Ah oui, monstres, les PNJ sur le le, plateau. voilà, c'est quand on n'a pas de joli token comme C'est Aurel ça. avec des belles figurines, Des dés. on met un dé. C'est assez classique aussi, hein. Tout est très classique. Et au final, bah, le dé s'est barré hein, avec le chaman, j'ai envie de dire. Il y a un dé qui est venu, qui a pris l'autre dé, et hop. Voilà. Mais ils ont fouillé pas mal et ils ont trouvé des trucs cool là, chez le chaman. Un peu de loot, des informations. Ah mais quel loot! Quel loot! Alors, quel loot? D'abord, chez le chaman, pas grand-chose. Ils ont compris que c'était lui qui faisait le poison, etc. Ils ont récupéré une fiole de ce liquide Oui, bizarre. non, non, c'est une fiole d'un autre liquide Ah complètement d'accord, ah différent. bah du coup, non, alors du coup, j'avais pas compris ça. Beaucoup mieux fait. En gros, il y avait des indices de l'existence d'une chambre souterraine encore sous la pyramide, dans les écrits qui se trouvaient chez le chaman. Et ils se sont donc dit qu'ils allaient descendre dans le grand trou. Alors c'est assez marrant comme pièce. C'est une sorte de gros cylindre au bout de la pyramide, derrière la grande salle, dans lequel en fait tous les murs sont recouverts d'une sorte de vieille croûte rougeâtre, un peu oxydée, qui est en fait des. Tu te souviens pas de ça? J'étais pas là. Oui, c'est vrai. T'as pas écouté ça? Il n'y avait Mais pas d'audio du coup. tu sais, il m'en parle pas, il se rappelle de rien, qu'est-ce que tu veux que je Mais sache? moi non plus, je me rappelle de rien. Là, il n'y a que les noms qui me manquent en tête. Hein. À mon avis, Aurel connaît mieux l'aventure que ce qu'on fait toutes les sessions. Oui. Parce que normalement, c'est moi qui leur rappelais ce qui s'était passé. Et encore, il leur rappelait parce qu'il leur avait dit au moment où c'était frais. C'est bien fait. Je l'aime, cette campagne, je l'adore, ça Elle me. avance juste pas, désolé, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Continue, continue. Toujours est-il que voilà, c'était un gros cylindre qui avait visiblement contenu à une époque de quantité assez astronomique de sang séché, enfin de sang pas séché, mais du coup là maintenant c'est séché, du coup c'est de la croûte. Enfin, c'est comme ça les Ça mots, hein. coagule. Tout simplement, enfin voilà, ça se coagule, ça sèche, ça s'effrite, et puis il y a plein de poudre Dans de les sang en effets bas. des élémentaires de feu, je crois. Oh, mais un effrite là-dedans, ça doit être rigolo comme tambouille. Voilà, donc l'étrangleur et le chaman sont toujours présents dans la pyramide, et donc du coup ils flippent un petit peu, c'est pas plus mal, ça leur met un peu la pression. Tant qu'à faire. Ils descendent dans ce cylindre Comment bizarre. ils font? Ah, la corde, il est pas très fou. Incroyable. C'est des quantités astronomiques parce que c'est un putain de cylindre de 3 mètres de diamètre et de Il y a besoin qu'ils soient très 10 longs, mètres de quoi. haut, quoi. Et du coup ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang. Il devait pas être rempli à fond, je sais pas. Mais ça fait beaucoup de sacrifices quand même. Bah, il a eu sa période de gloire, ce temple. Qu'est-ce que je te dis? Et au fond de ce truc-là, il trouve une porte ou un passage secret, il me semble un passage secret là-dessous. Ouais, c'est assez mal défini, je suis d'accord, c'est un peu flou. Dans lequel il se retrouve dans un couloir là, et au bout d'un moment, il se retrouve dans une salle avec un piédestal, au fond une statue. Il me semble que c'est ça. Là, pour le coup, j'ai des très mauvais souvenirs de ça. On avait joué ça, j'étais un peu bourré. Pardon. Désolé. Du coup, on ne voit même plus boire la bière à deux. Bon, tant pis. Mais elle est vide de toute façon. Voilà, avec des loots sympas.
Havresac. T'étais pas là, t'as raté le Havresac. C'est pas grave. Dans tous les cas, l'élément principal, c'est l'hôtel avec dessus une fiole. Une fiole aux propriétés extrêmement intéressantes, de liquide noir. Inconnu. Très intéressant. Qui est protégé par en fait une sculpture de serpents qui s'enroule autour et oh mon Dieu, quand on touche les serpents, ils s'activent et deviennent. C'est très original. Et ils attaquent les PJ, massacrent. Bon, comme ils les fracassent en fait, comme il y en a un des deux qui fracasse, ils ne peuvent pas récupérer les gemmes qui constituaient les yeux d'un des deux serpents. Alors, je me disais bien qu'il y avait une histoire de gêne, ouais, c'est Ouais, mais dans le fond, ça fait qu'un peu de tulle en moins à ce niveau-là. attaqué par les loots, quoi. C'est comme ça que tu l'avais présenté. Ils sont attaqués par les loots. Soit attaqué par le trésor, quelle horreur. C'est rigolo. Je crois que c'est le pire cauchemar d'un aventurier, ça. Ah, il est obligé de détruire son propre loot. Non, non. Les mimiques, c'est insupportable, tu vois. Un coffre, un Un manteau. Ah oui, ok. Toujours est-il que cette fiole a des propriétés très intéressantes sur la température et en La fait lumière aussi. l'énergie. Oui, sur la lumière et sur l'énergie. De vie, l'énergie positive en quelque Ça, sorte. non, je ne me rappelle pas de ce détail-là. C'est normal, vous les filez à Nécorien et vous n'avez jamais eu d'information. En même temps, je n'allais pas me dire, tiens, je vais canaliser l'énergie à côté de ces trucs. Ça aurait été Intéressant. intéressant. Tu peux toujours. Bah, il faudrait qu'on y Il retourne. faudra essayer. Mais non, vous l'avez ramené la fiole. Ouais, mais on est parti depuis. Oui. Toujours est-il. Voilà, c'est une fiole d'un liquide et noir extraordinairement opaque. Très froid dans cette pièce, trop froid pour un simple souterrain, genre 5 degrés, ça caille. Et au fond, oui, donc il y avait une statue. C'était marrant parce que j'avais envie que une statue qui tient une épée, tu vois. Et du Histoire de les coup, tenter encore une fois. histoire de leur dire, est-ce que après la statue des serpents, ils vont oser aller choper encore une épée qui, la dernière fois qu'ils avaient récupéré une épée sur un truc qui bougeait pas, t'avais un prêtre mendiant qui les avait attaqués. La dernière fois qu'ils avaient touché une statue. Il y avait des serpents qui Alors l'avaient qu'est-ce qu'ils ont attaqué, fait? mais ils ont chopé l'épée. Et alors? C'est une statue. Et c'est une épée plus 1? Ouais. C'est comme ça que Vendor a eu son épée plus 1. Ok. Je sors pas d'une petite pause dans l'audio. Yeah.